Que tout le monde doit savoir jouer, donc pour nous les bassistes particulièrement, le blues. Donc bien sûr, bassiste, guitariste, saxophoniste, trompettiste, tout ce que tu veux. Dès que tu fais de la musique, quand tu sors du classique, il faut savoir jouer le blues. Pourquoi est-ce que le blues, c'est une grille que tout le monde connaît, c'est une structure que tout le monde connaît, que tu te trouves en France, au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Suisse, où tu veux, en Amérique du Sud, partout. Pour chauffer, qu'est-ce qu'on va faire en général? Quand tu es en groupe ou en formation, ben en fait, on se fait un petit blues. Donc, en général, c'est un blues en mi, après, quand il y a des cuivres, en si bémol. Donc, c'est toujours une structure qu'on met à toutes les sauces et que tout le monde connaît sur la terre entière et qui te permet de jouer facilement un morceau avec des gens que tu ne connais pas. Donc, voilà. Donc, la petite blues en mi, donc, la structure, c'est toujours pareil. Enfin, c'est pas toujours pareil, mais en gros, c'est toujours le blues classique. 4 mesures, 4 premier degré, après tu fais 4e degré, premier degré, 5e, 4e, et tu reviens au premier. Donc ça, j'explique ça dans la formation plus en détail. Là, c'est un petit blues rapide pour t'expliquer tout ça. Donc, alors, c'est ce qui est important là-dedans, c'est le côté ternaire. Tu vois, le côté ternaire, c'est un petit peu le côté locomotive. On appelle ça aussi, pour les tempos plus rapides, le shuffle. Donc là, c'est que il y a quasiment que de la croche pointée double. C'est ce qui donne le côté tu vois, pam 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 pam, toc 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 toc. La guitare, elle le marque bien, tu l'entends. Et toi, ta ligne de basse, bah elle va être comme ça. Tu vois? Et ça repart. Ok, et après ça repart. Là, je te l'ai fait sans la batterie, donc t'as le morceau avec la batterie, avec le clic juste avant et après aussi. Donc c'est hyper important. Ça, c'est la croche pointée et t'as la double derrière. C'est ce qui donne le côté shuffle. Je vais pas m'éterniser sur la vidéo, c'est juste que faut que tu saches le faire. Ça, c'est un truc hyper important. Donc, dans la description, tu as le lien pour récupérer la grille, et puis tu regardes la vidéo, et tu regardes à quoi ça correspond. Tu vois, mais il faut vraiment faire ressortir ce côté, ce qu'on appelle shuffle. Ok ? La locomotive, moi j'appelle ça la locomotive. Donc là, c'est à 90, tu peux tourner. Alors, quand tu as bien le truc dans les doigts, tu peux agrémenter un petit peu, tu peux sortir de la ligne de basse qui est écrite là. Toujours pareil, mais une fois que tu l'as bien dans les doigts, tu peux bifurquer autour et rajouter des notes, et ou alors en enlever, tu peux très bien en enlever pour jouer plus léger, mais il faut toujours garder la structure de la grille. Toujours 12 mesures, tu passes bien sur les accords, donc après ça roule, tu as juste à déchiffrer la grille. Donc ça, croche pointée, double, voilà, si tu ne sais pas ce que c'est, ben maintenant tu sais ce que c'est tu vois. Ok, et après tu peux même la jouer en slap si ça t'intéresse. Voilà, donc c'est le blues, c'est ça, c'était un truc vraiment que je voulais faire parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent c'est quoi. Ben c'est ça, voilà. Donc c'est vraiment le truc que tu joues en premier dès que tu veux te chauffer avec un groupe, avec le guitariste, le batteur, tu vois, que dès qu'on veut faire tourner un truc pour une répétition, paf, on part sur un blues. Donc là c'est en mi, tu peux l'avoir en
La, en Si bémol, mais c'est toujours la même structure basique, là, 12 mesures. Après, il y a d'autres, je ferai ça plus en détail dans une autre vidéo. Il y a plein de combinaisons possibles pour jouer en blues. Voilà, donc, merci pour cette petite vidéo. Tu vois, c'était rapide, mais bon, on va à l'essentiel. Et puis, tu t'abonnes, tu récupères ça dans la description en dessous. Et puis, tu continues, bien sûr, tu joues. Voilà, à bientôt les amis. Ciao, je vous embrasse.